Yo, bande de rouges, c'est Darwin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Yandere Simulator. Donc, ça fait un petit moment quand même. Donc, j'en fais une petite parce qu'il y a une nouvelle mise à jour, tout simplement. Donc, déjà, elle, on va pas la respecter. Poum, coup de babouche. On peut maintenant drop là. Voilà. Donc, ça, c'est le truc de base. Il découvre un corps, mais la police arrive à l'école. Découvre un corps de Minori Kuzurin. Il se trouve les empreintes de Yandere. Et du coup, on se arrive. Donc, nous allons faire. Nous allons, comment dire, trafiquer un petit peu les preuves, maquiller ce. Enfin, pas maquiller du tout, je dis que de la merde. Nous allons faire porter le chapeau à une autre élève, tout simplement. Donc, ça en éloigne d'eux. Hein. Et donc on va se retrouver pour une nouvelle semaine, je vais vous expliquer ça en détail. Nous voilà donc dans la salle de drama, le drama club, le club de drama. Et donc nous enfilons ces petits gants là qui sont un déguisement, hein, je pense, mais qui vont nous servir donc à courir nos empreintes, hein, comme vous avez pu le deviner. Hein. Et là on va attendre que normalement cette conne arrive. Normalement, elle devrait pas tarder à arriver, donc je vais l'attendre là. Tac. Où peut-elle bien être, cette connasse? Ah, voilà. Je pense qu'elle va venir par là. Non, pas du tout. C'était juste elle. Bon, bah, on va attendre, écoutez. Hop, on va. C'est quoi? On va sortir le petit téléphone, parce que ça. L'un des meilleurs. Hop. Voilà, donc elle prépare son délicieux cupcake à la vanille, je sais pas ce qu'elle prépare. On s'en branle au pire. Tac. Séquence ninja. Donc vous allez bien voir. Donc oui, donc si vous avez pas des gants, techniquement, quand vous prenez une arme, vous vous en servez, hein. Vous laissez vos empreintes tout simplement dessus, hein, ce qui paraît logique, mais qui n'était pas avant, hein, avant ils s'en branlaient, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas ce que c'était pour eux les empreintes. Donc maintenant, vous pouvez, enfin, ils ont implémenté cette option, donc du coup les PNJ aussi peuvent poser leurs empreintes sur des objets, donc comme elle qui est en train de préparer la bouffe avec son couteau. Par contre, elle est un poil trop long, quoique non, je pense que non, on s'en fout. On va attendre tout simplement. Et donc voilà, donc là elle prépare sa bouffe. Et donc mon but va être tout simplement de voler le couteau. Hein, on va pas se cacher. Et de commettre un crime avec. Hop, elle a fini. On va attendre. Oh. Merde, elle m'a. Elle m'a niqué, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Sinon c'est le plus gros fail. C'est le plus gros fail. Donc on cache le couteau. Maintenant on va trouver notre victime, hein, tout simplement qui est en haut, hein, je vous le rappelle. Voilà, donc on se retrouve, hop, après être monté tout simplement. On va pas lui parler, je veux la buter. Hein. Hop. Et voilà, donc maintenant, on va laisser l'arme du crime ici. Et on va se retrouver juste en bas. Voilà, donc, on va juste enlever les gants. Donc, tac, en restant appuyé sur le bouton 1, tout simplement, pour ceux qui sont sur le PC. Enfin, qui ont tout simplement leur clavier souris. Un petit coup à la douche maintenant. Tac, c'est par là déjà. Ça fait longtemps que j'y suis pas venu là-dedans. Donc, pour un petit peu nettoyer ce bordel, nude, 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 voilà. Foutons-nous à poil. Donc, on va se laver gentiment. Hein. Hop, voilà donc tout propre, comme un sous-neuf. Tac, 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 tac. Ah, merci le jeu.
j'ai que... On va prendre le... Excusez-moi, j'ai mes touches qui bug. Ah, lui, on va le mettre là. Oh, mon ami. Voilà. On va choper ça et on s'en va. Donc, là, tout simplement, mon but va être de, bah, de foutre ça dans le... Tac, tac, par là. Mon but va être de foutre ça dans l'incinérateur, de tout cramer et de s'en aller pour voir si j'ai réussi. J'espère d'ailleurs que le... Que je me suis fait griller tout à l'heure, mais j'espère que ça va pas trop influencer. Si c'est ça, bah, je vais être très déçu. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, faut pas se faire griller, normalement. On va bien voir, hein, écoutez. R. Et on active. Voilà, on se corse. Tac, go home. Alors, il y en a un... Hop. Yeah. Oui, ça arrive. Elle découvre son corps. Avec son sang. Voilà. Les empreintes de Bakukona, là. La victime. Arrêtée par la police. Ah, j'ai pas été... comment dire? Je suis pas lié au crime, on va dire. Ok. Bon ben... Tout simplement, donc maintenant, on a l'autre... comment ça s'appelle, Kokona, qui est arrêté tout simplement par les keufs. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais vous montrer, hein, de toute façon. Non, connerie. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à lever vos pouces, qu'il soit bleu ou vert, on s'en fout, à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti, ce que vous en avez pensé, et de vous abonner si je n'ai pas déjà fait parce que c'est quand même très important, et je vous dis à la prochaine, c'était Darkmoon, bye tout le monde.